Niveau 4, alors là nous sommes dans une chambre d'enfant. Donc il y a pas mal d'éléments. On va déjà s'occuper du côté du lit. Un indice, tout de suite je vous le donne. Retenez bien, l'ours, il a du bleu. Notez-le, ours bleu. Hein, c'est important. Alors, touchons-le cet ours. Il y a une clé de sous lui. On la prend. Il n'y a rien d'autre. Coussin, scie, une pile. On prend. Hein, tout ça va nous servir. Je dézoome. J'aperçois là un petit trou de serrure sur le premier tiroir de la petite commode. Donc, je pense que cette clé va me servir ici. À l'intérieur, j'ai une sorte de. On verra après, je vous dirai. On regarde vite fait dans les autres tiroirs, mais on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Indice supplémentaire, un ballon. Certes, il est blanc, mais surtout, il est vert. Notez, vert, ballon. Très important. Si je le touche, eh bien, il se déplace et j'ai une autre pile qui rejoint la première à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai un petit vélo. Allons voir. J'aperçois ici, là, sur l'essieu, si on peut appeler ça comme ça, arrière, quelque chose. Je prends, c'est un crayon. J'ai une armoire. Ah, ici, il nous faudra un code pour ouvrir cette partie-là. Armoire de droite. Armoire de droite, j'ai, faut ça, c'est un projecteur. Donc ça, ce qu'on a pris tout à l'heure, ici, c'est une plaque que l'on va mettre à l'intérieur, comme une diapositive. Et pour le faire fonctionner, on va placer les deux piles, on va refermer la trappe, et on va appuyer dessus pour le mettre en marche. Et là, nous voyons un nombre, 6734. Eh bien, souvenez-vous, on vient juste de voir qu'ici, il nous fallait quelque chose. Eh bien, nous allons le taper là, 6734. Ça s'ouvre, à l'intérieur j'ai un marteau. Parfait, bien. Voyons dans la porte de gauche, j'ai un placard, mais je viens de trouver un marteau, je le sélectionne, je tape dessus, et là je vois quatre carrés de couleur, enfin bleu mauve, hein, ou violet. Voilà. Souvenez-vous, je vous ai fait noter l'ours en violet, le ballon en vert, mais il nous manque encore des éléments. Le rouge et le jaune. Alors, on repart aux indices, à la quête aux indices. On se rapproche de l'étagère, c'est le seul endroit où on n'est pas allé. Je vois l'avion ici. L'avion, il est orange. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai besoin. Donc, avion, noté, avion orange. Et puis, dans le haut, j'ai des livres. Et tout à l'heure, j'ai trouvé un crayon. Ça peut peut-être coller ensemble, tout ça. Donc, j'appuie. Et là, j'ai celui de droite qui s'ouvre. Eh bien, je vais tenter d'écrire, voir ce que ça fait. En passant le crayon, j'ai un dessin, le dessin d'une fleur, sur un fond rouge qui apparaît. Voilà notre quatrième indice pour le carré rouge. Une fleur, donc noté, rouge, fleur. Maintenant, eh bien, nous repartons vers cette armoire. Nous ouvrons de nouveau la porte là pour avoir accès à ces quatre couleurs. Le vert, c'est le ballon. Comment le mettre dessus? Il suffit d'appuyer dessus jusqu'à ce que vous ayez un ballon. Ben voilà. Le rouge, on vient de le voir, c'est une fleur. Donc on va appuyer jusqu'à avoir la fleur. L'ours, ce sera sur le violet. Ah bah, ben, ça y est, je l'ai passé, donc je vais faire le tour. Voilà. Et l'avion, lui, était en orange. Eh bien, vous allez voir, ça va faire un petit saut quand je vais arriver sur l'avion. Ça veut dire que c'est déverrouillé. Hop, vous avez vu, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a bougé. Donc je rappuie dessus pour ouvrir ce petit placard. À l'intérieur, il y a une clé. Je dézoome et bien sûr, je vais aller voir si cette clé ouvre la porte qui me fait accéder à mon cinquième niveau.